Le coup d'envoi est donné. Nous espérons tous voir une belle rencontre. Alors évidemment, comme toujours, on attend du spectacle, des envolées, des duels, des buts. Mais l'important, évidemment, c'est la victoire. Oh, la belle claquette. Dégagement au point, le ballon sort en touche. Ils peuvent construire quelque chose. Le défenseur était là. Bonne réaction de la défense. C'est peut-être l'occasion d'ouvrir la marque. N'est pas bonne, dit l'arbitre. Jolie frappe. Il a dû manquer de concentration, c'est hors du cadre. Et quand tu veux marquer d'entrée, c'est le meilleur moyen d'attaquer un match. Hi. Il faut qu'il marque ici. C'est un véritable bugag. Ça, c'est le genre de but qu'on n'aime pas revoir au ralenti. Ils ont ouvert la marque, 1-0. Faire le gardien. Une défense intraitable, superbe. Encore une belle occasion. La frappe est décochée. Aïe, c'est dedans. C'est dedans et ça fait mal. Égalisation méritée. Tout reste à faire. Vous avez vu, quand un milieu vient participer devant, qui crée le décalage, il se retrouve souvent en position offensive pour marquer des buts. On est donc désormais sur un pied d'égalité. Ah, ils n'ont pas tenu le temps qu'ils auraient voulu. J'ai le sentiment que la défense est un peu relâchée après avoir pris l'avance. Mais ça arrive souvent, ça. Allez, il faut qu'ils repoussent et marquent à nouveau maintenant, avant le repos. Encore une occasion de centrer. Hi. Il a dégagé. Ils peuvent construire quelque chose. Près de la ligne de touche, c'est jamais idiot. Le gardien a les yeux en main. Oh bravo, sur ce coup-là, il fallait pas se rater.
encore une occasion de centrer. La touche est concédée, elle peut être dangereuse. Il décoche une frappe. Le portier récupère le ballon. Bien donné. Ils peuvent construire quelque chose. Ils échappent au danger au prix d'une remise en jeu. La défense a récupéré le ballon. Il va pouvoir marquer. Nouvelle occasion de centrer. Il manque vraiment de coordination. Ballon repoussé des points, corner. Ballon aérien. On est vraiment trop loin du poteau droit. Et on a tous cru que c'était dedans. Hein. Oh, il y a même les supporters qui avaient déjà levé les bras. Ils peuvent construire quelque chose. La passe a été interceptée. Il n'a peur de rien. Encore une occasion de centrer. Le gardien a le jeu en main. Ils peuvent construire quelque chose. Ils peuvent marquer. C'est de l'autre côté de la ligne, 6 mètres. Henri, le goal la bloque. Magnin. Bonne action, le ballon est récupéré. Balmont. Il garde la maîtrise du ballon, ça peut être dangereux. Rai. Magnin. Encore une occasion de centrer. Il faut essayer d'atteindre la cible. Vous voyez, ça c'est vraiment le genre de ballon qui surprend tout le monde. Ça passe à 200 à l'heure et on n'est jamais là pour mettre le ballon quand il faut. Ils peuvent construire quelque chose. Du pied, dégagement sûr. Le couloir, c'est souvent la bonne solution. C'est peut-être le tournant du match. Encore une occasion de but gâché. Et l'entraîneur et les joueurs, ils se prennent la tête. Hein. Et il la croyait déjà dedans.
Magnin. Il va peut-être marquer. Arrêt du gardien. La défense a récupéré le ballon. Encore une occasion de centrer. Une nouvelle touche qui peut être dangereuse. La défense est solide. Fin de cette première période, les joueurs vont aller se reposer et à mon avis, ça leur fera le plus grand. La seconde période à présent, on va voir si les consignes données par les entraîneurs sont respectées. C'était là l'occasion de marquer un but, mais le défenseur a dégagé en corner. Ballon travaillé vers la cage. Oh, juste un peu trop haut. Et je peux vous dire, c'est pas le genre d'occasion qui manque en général. À mon avis, il a joué un petit peu trop facile. Il manque vraiment de coordination. Faute dangereuse et coup franc concédé. Ça ne va pas être facile d'ici. Dans la surface, c'est très chaud. Encore une belle occasion. C'est super dangereux, il peut marquer. Bon dégagement. Le temps entre les poteaux, mais bien au-dessus, il s'est trompé de sport. L'entraîneur cherche à remanier l'équipe. Ah, je crois qu'on a laissé un petit peu trop jouer là. Il a réussi à frapper. La défense aurait dû monter sur lui un peu plus tôt. Quelle reprise de volée! C'est trop loin du poteau gauche. Et on a tous cru que c'était dedans. Hein. Oh, il y a énormément de supporters qui avaient déjà levé les bras. Très aigué. Il n'y a rien à dire, c'est une faute intentionnelle. C'est vraiment loin. Ça va peut-être rentrer. C'est pas cadré, c'est la passe à gauche. Ouais, je crois pas qu'il ait choisi quand même la bonne solution. Il s'est un petit peu enflammé sur ce coup-là. Encore une occasion de centrer. Tout près de la cage. Dégagement. Construire quelque chose. Il n'a peur de rien. Oh, la belle occasion de but. Il passe sous le nez du gardien. Il l'a manqué d'un cheveu.
Nouvelle occasion de centrer. Encore une belle occasion. Il a dégagé. Joli décalage. Il décoche une frappe. Il faut la reprendre. Et là, le gardien était complètement battu. Heureusement qu'il avait son poteau. Il peut aller l'embrasser fortement, je vous le dis. C'est leur deuxième remplacement de la partie. En faisant ce changement, l'entraîneur choisit l'option offensive. C'est peut-être un petit peu osé, mais ça pourrait marcher. Trezeguet. Bonnard. Ils peuvent construire quelque chose. Ils ne trouvent pas le moyen de percer cette défense. Et Vira. Ce joueur centre vraiment de manière exceptionnelle. Le gardien a remis de l'ordre. Pour Trezeguet. Un beau ballon frappé en puissance. Ça ne fonctionne pas. Pour Vira. Pour Mexès. Coup d'heure. Récupération du ballon. Pour Vira. Aubragnac. Il a vraiment une super couverture de balle. Coup d'heure. La défense est prise à revers. Ouais, c'est pas cadré, mais c'est pas si mal. C'est impossible de marquer de là, l'angle est trop fermé. Pour Trezeguet. Il y a trop d'hésitation dans ce jeu. Ils ont le ballon, mais ils ne savent pas trop comment l'exploiter. Coup d'heure. Balmont. Pour Vira. Il faut un contestable. C'est un peu loin pour tenter un tir au but. Ballon renvoyé en arrière. Bonnard. Belle passe. Nouvelle occasion de centrer. Ils sont partis sur l'aile. Coup d'heure. Que va-t-il faire maintenant? Place maintenant une touche. Il vise la cible. Faut tirer une balle de golf, c'est trop faible. Il n'y a même pas la place pour passer une allumette. Balmont. Bonnard. Il peut surprendre et marquer. Oui, c'est dedans. Nous reprenons l'avantage à un moment important. C'est étonnant, il avait tout le temps de capter ce ballon et il le relâche juste devant un attaquant qui n'a plus qu'à la mettre au fond.
Ils ont un but d'avance, 2-1. Oh, ils viennent encore une fois de casser les rênes de la défense. Et ça pourrait être le but de la victoire. Avec tout ce qu'ils ont donné, remarquez, ça se mérite un petit peu. Hein. La défense est disloquée. Bonne réaction de la défense. Une passe en profondeur et dans le tempo. Non, c'est pas bien ça, coup franc. Il n'a même pas joué le ballon. L'arbitre sort un carton jaune. Il pouvait même peut-être sortir un rouge. Senderos. Il tente. Ah là, il n'a pas de chance. C'est si près du but. Tu frappes le poteau, des fois ça rentre, là c'est pas rentré. Nous avons atteint les 15 dernières minutes de la rencontre. Balmont. Bien défendu, le ballon est récupéré. Que va-t-il décider ? Coutadeur. Balmont. Pour Vieira. L'attaque est stoppée, ça donnera rien. Cavagnas. Encore une belle occasion. Obraniak. Attention, c'est parti à 2000 à l'heure. Nouvelle occasion de centrer. Belle interception. Cavagnas. Ils se remettent à attaquer et ils ont bien raison, il faut vraiment tenter quelque chose pour rester dans le match. Le joueur est tombé, mais le jeu se poursuit. Quelle contre-attaque, ça peut être dangereux. Il est dans la surface, face au gardien. À quelques millimètres près, c'était cadré. Et pour marquer un but dans un angle fermé comme ça, il faut être un magicien. Encore pas mal de terrain à parcourir. Grossière erreur de la défense. Le ballon est récupéré. Et c'est dedans. C'est peut-être le but décisif car l'avantage est conséquent. Et c'est vrai qu'il a qu'un seul pied. Mais quand il s'en sert, c'est toujours pour marquer. C'est vraiment son jour. On le sentait bien après le premier but. Ce doublé confirme notre impression. Il y a deux buts d'écart maintenant. Maintenant, s'ils ne marquent pas dans les minutes qui suivent, ils peuvent dire adieu à la rencontre, à la fin de match aussi. Ouverture. Bonne action, le ballon est récupéré. Bon pressing, le joueur récupère le ballon. Ils peuvent construire quelque chose. Avec un peu de chance, ça peut aller au fond. Du pied, dégagement sûr. C'est une belle occasion ce ballon en profondeur. Il vise la cible. Il y a trop d'effet dans ce ballon.
Et heureusement qu'ils ont deux buts d'avance, hein, parce qu'à force de tirer dans les tribunes, ils vont blesser un spectateur. L'entraîneur veut sûrement appliquer une nouvelle tactique. Balmo. C'est un ballon gagné. Cabañas. Rai. Magna. Le contre, c'est une arme redoutable. Quel coup! Directement dans les gants du portier. Zani. Cabañas. Le jeu est brutal, coup franc. Oh, il est expulsé. C'est son deuxième avertissement depuis le début de la rencontre. Deux tacles trop appuyés et c'est la catastrophe pour lui et son équipe. Encore une occasion de centrer. C'est mal. Et le goal le laisse tomber. L'attaque n'a rien donné car dévié en corner. Chandelle. Et c'est un nouveau corner et une nouvelle occasion. Frappe décochée en direction du but. But. Et si les comptes sont bons, ça fait 3 buts d'écart. C'est vraiment très bien joué. Ça ne m'étonne pas. Il n'avait qu'une idée en tête. C'était réaliser un hat-trick. L'avance est plus que confortable. 3 buts. Ça devrait largement suffire. Arrêt de jeu indique le tableau. Encore une belle occasion. C'est terminé. C'est l'heure de regagner les vestiaires. Oh, c'est beau.